loi spirituelle dit, ce que tu crains, c'est ça qui va t'arriver. And the spiritual law says that which you fear would happen to you. En fait, la crainte, la peur, la frayeur, c'est la foi au mal, c'est la foi au danger. C'est que tu crois avec certitude que le malheur va t'atteindre. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. A clap offering to Jesus Christ. Jésus-Christ. The Lord. Moi, je suis la sœur Ma Adélaïde Nicole. J'ai pour faisait de disciple le pasteur Loubou Francis de Kumasi Bia Sud. Frère, j'ai cru l'année passée, j'ai fait ma repentance, mon baptême. Last year, I did my repentance. Et cette année, j'ai fait mon brisement de lien. And this year, I did the breaking of tie. Frère, le jour où j'ai fait mon brisement de lien, les frères m'ont conseillé qu'il y avait un esprit qui est sorti en moi et during the breaking of ties, brethren advised me that there's a spirit which come out of me. Et cet esprit était en colère. Il a dit, il sortait de mon corps. And this spirit was angry and he said that it was going out of my heart, of my body. Que il allait m'attendre. But he said that he would wait for me. En tout cas, je suis quelqu'une, j'aimais beaucoup porter les perles aux reins, comme on appelle le baya. I used to wear pearl to my kidney. J'aimais beaucoup les porter. Marie, on nous a enseigné de nous séparer des idoles. En tout cas, j'ai eu à me séparer de certaines choses, mais les perles étaient toujours sur mon rein. I love to wear pearl to my kidney. Although they taught me to get spirit from it. Et quand j'ai fait mon brisement de lien, j'ai commencé à lire la Bible. Et pourtant, avant, je ne lisais pas la Bible. After the breaking of evil tie, I started reading the Bible, whereas in the past, I couldn't. Et quand nous sommes rentrés dans le moment de renversement des principautés, and during the period of overthrowing of principalities, j'avais lu la Bible de Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse. I read the Bible for the New Testament till the Revelation. Et l'Apocalypse, au quatrième jour du renversement des principautés, j'ai lu le chapitre 17-18. Bon, Revelation to the fourth day of the overthrowing of principalities, I read chapter 17-18. Les paroles qui m'ont un peu touchée, je ne retiens pas les versets, mais la parole nous dit que dans le désert, il y avait une femme qui était assise dans le désert sur une bête. Elle portait. That movement was in the desert, there was a lady sitting upon a beast. Et cette femme avait une coupe qui était remplie de l'abomination, l'impudicité. And this lady had a cup full of abomination and impudicity. Et elle portait des perles. And she was wearing pearls. Voilà, bon, je ne peux pas tout citer, mais c'est ce que j'ai pu retenir. Donc ce jour-là, quand j'ai fini de lire, dans l'après-midi, je suis sortie. So after reading this passage, in the afternoon, I went out. Et quand je suis sortie, je suis allée faire mon transfert pour avoir des unités. Dès que je suis sortie, and outside, I did transfer to have credit. J'ai vu un marchand de perles qui passait. Outside, I saw someone who sell pearls. Parce que l'année dernière, quand j'ai fait ma repentance et mon baptême, je portais toujours les perles. Il y avait deux cordes sur mes reins. Et un jour, il y a une corde qui est coupée tout seul. Because donc, after my repentance and my baptism, I still wear these pearls, but one broken. Et j'ai ramassé, il est soudé pour reporter, mais c'était devenu petit. Donc j'ai mis de côté, il restait une corde sur mes reins. I tried to arrange it and wear it again, but it became too small. But so I wear once. Et quand je suis sortie, dès que j'ai vu le marchand, il passait avec les perles, je l'ai arrêté. When I saw the trader, I stopped him. Et je lui ai dit, je voulais la pelle parce que j'ai vu la couleur de la pelle que je portais au rein. Because I saw the color of the pearl that I used to wear. Et quand il m'a donné le lot, parce que le lot, il y a souvent 6 cordes, 8 cordes. He gave me the package. Sometimes there are 8 lines, 6 lines. Et je lui ai dit comme ça que je voulais une seule corde. Il m'a dit non, il faut prendre que ce sont les vraies perles. Il m'a fait goûter même par mes dents, j'ai touché. I want only one
line and in ensuring me to take all of them because they are of qualities. Et je lui ai dit oui, c'est vraiment les vraies perles, mais je veux une seule corde seulement. And I insisted to say that even though it is good quality, I want only one line. Et j'ai pris la corde. Quand je suis rentrée, j'ai déposé ça sur mon lit. I took it when I go back home. I put it on my bed. Et il y a une parole qui vient dans ma tête comme ça que de prier pour juger les esprits qui étaient derrière. Et je and me suis engenouillée et received prié. A word saying that I have to pray to judge spirit bound these pearls. Et quand j'ai prié, la perle est restée sur mon lit. While praying, the pearls were upon my bed. La nuit, in the night, la perle est restée toujours sur mon lit. Je me suis couchée comme si, en tout cas, la perle était. Je me suis couchée à côté de la perle comme si c'était mon enfant même. I lay close to the pearl during the night as it was my child. Et dès que j'ai fermé l'œil, when I closed my eyes, par la fenêtre, through the windows, j'ai vu un animal qui est rentré par la fenêtre. J'étais couchée sur le lit. I saw an animal who get through the windows. Et qui avait la forme d'un chien. And he was look like a dog. Et j'ai vu que l'animal s'allongeait sur moi. And I was seeing that these animals were laying upon me. Mais je pouvais pas me lever. J'étais coincée sur mon lit. I could not stand up. Et l'animal, je voyais qu'il s'allongeait, il s'allongeait. I was seeing that these animals were laying. J'ai fait tout mon possible pour attraper ses deux pattes de devant. I did my best to catch his two paws off. Et j'ai vu que l'animal s'allongeait. Il voulait se coucher sur moi-même. And the animal wanted to lay upon me. Et j'ai vu que je n'avais plus de force. J'ai crié, Jésus, sauve-moi. I saw that I was strengthless and I cried, Jesus Christ, save me. Dès que j'ai crié deux fois comme ça, j'ai ouvert les yeux. When I shot twice, I opened my eyes. J'ai vu que la scène se passait dans la chambre. J'ai allumé la lumière en même temps. I saw that the scene was occurring in the room. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait rien. I opened the light. I looked out around, there is nothing. J'ai ouvert la fenêtre, il n'y avait rien. I opened the window, there is nothing. J'ai prié, je me suis endormie. I prayed and I lay asleep again. À 6 heures du matin, je me suis réveillée. Je suis allée prendre une douche. At 6 a.m., I wake up and I took red oil. J'ai pris la perle, j'ai porté. I took the pearl and I wore it. Et j'étais satisfait parce que je voyais mes deux cordes sur mes reins. And I was satisfied because I saw the two lines upon my kidneys. Et je me suis allongée, j'ai pris mon portable puisque j'avais téléchargé la Bible dedans. And I slept, I took my mobile phone for, I download the Bible inside. Et je prends le chapitre 19 d'Apocalypse. And when I took the chapter 19 of Revelation, quand j'ai lu le premier verset, when I read the first verse, le deuxième verset qui nous disait son jugement est véritable, the second verse told me that his judgment is true and just. Car il a jugé la grande prostituée. For he judged the great prostitute. Frère, je vous dis, en même temps, je n'ai même pas terminé le verset. J'ai senti comme s'il y a un courant qui m'avait secoué. In the midnight, I didn't finish the verse and I felt that something shook me. Mon téléphone est tombé. My mobile phone fell down. Après, je suis revenue en moi, j'ai pris mon téléphone. After I came back to myself, I took my mobile phone. Et il y a une voix qui me dit, relis le verset. And a voice tell me, read the verse anew. Quand j'ai lu le verset, les frères, when I read the verse, j'ai crié fort, d'une voix très fort en disant, I shout aloud, saying, Jésus, délivre-moi. Jesus Christ, deliver me. Frère, je vous dis, brethren, je ne savais plus ce qui se passait, mais à travers moi, j'attendais deux voix. I didn't know what happened, but inside me, I heard two voices. Il y a une voix qui disait, tu vas la laisser tranquille parce qu'elle ne t'appartient plus. One voice said that you have to leave her alone because she not belong to you. Désormais, elle nous suit maintenant. Now she follow us. Et l'autre voix qui disait, je la veux parce que je veux faire l'amour avec elle. And the second one that I want her because I want to have intercourse with her. Frère, je vous dis, la scène s'est passée au moins 10 à 15 minutes. The scene lasts 10 to 15 minutes. Quand je me suis retrouvée, toute ma chambre était dérangée, même mon lit. When I came back to myself, off the room was shaken. Et je voyais sur mon lit les perles qui étaient dispersées. And I can saw the pearls scatter upon the je regarde à terre, les deux cordes de perles qui étaient sur mon rein étaient coupées, c'est à terre.
When I look at down, I can see that the two plus upon my kingdom were down. Frère, j'ai compris que le Seigneur Jésus m'avait délivré. I understood that God delivered me. J'ai commencé à rendre gloire. J'ai commencé à lui dire merci. So I started praying, celebrate him. Et le Seigneur Jésus va me montrer la scène qui s'est passée. And God showed me the scene that happened. Comme je ne sais pas bien écrire, j'ai dû enregistrer dans mon téléphone. I record it in my mobile phone. Il m'a fait comprendre que les esprits étaient cachés and dans les pelles. And let me understand that the spirits were hidden in the pelts. Parce que quand les frères ont fait mon brisement de lien, ils m'ont dit de me surveiller pour ne pas que cet esprit-là vienne. Donc, je prenais soin de moi, je ne me mettais pas en colère parce que c'est dans la colère que l'esprit s'est manifesté. During the breaking of time, they advised me to take care of me, to not get angry, so that to avoid this spirit to come in my life. Et j'avais tout abandonné physiquement. Physically, I abandoned everything. Mes frères, dans mes pensées, but in my thoughts, c'était l'abomination. It was abomination. La fornication, l'impudicité. Fornication, même l'adultère, je convoitais. Adultery. Et depuis ce jour, frère, and since that day, mes pensées sont libérées. My thoughts are free. Quand je dors, c'est Jésus. Quand je me réveille, c'est Jésus. Quand je marche, c'est Jésus. When I sleep, it's Jesus Christ. When I wake up, it's Jesus Christ. Tout mon être est Jésus All maintenant. All my being is Jesus Christ now. Et je lui dis merci parce que c'est lui-même qui est venu me délivrer personnellement. And I thank him because he came personally to deliver me. Pendant ce moment de renversement, during this moment of overflowing, je bénis le nom de Jésus. Amen. I bless his name. Amen. Quelqu'un lise pour nous Job chapitre 3, versets 25 et 26. Let someone read for us Job chapter 3, verse 25 and 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Amen. Job chapter 3, verse 25 and 26. For the thing that I greatly feared has come upon me, and what I dreaded has happened to me. I am not at ease, nor am I quiet. I have no rest, for trouble comes. Amen. Lis pour nous Esaïe 54, verset 14 et 15. Read for us Isaiah 54, verse 14 and 15. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Isaiah 54, verse 14 and 15. In righteousness you shall be established. You shall be far from oppression, for you shall not fear. And from terror, for it shall not come near you. Indeed, they shall surely assemble, but not because of me. Whoever assembles against you shall fall for your sake. Amen. Quand tu combats, quand tu pries, quand tu marches avec Dieu, when you fight, when you pray, when you walk with God, tu auras des adversaires invisibles. You have invisible adversaries. Tu pourras même avoir des adversaires visibles. You can even have visible adversaries. Mais si tu comptes sur le Seigneur, but if you count on the Lord, tu auras toujours la victoire. You always have victory. Nous avons vu comment David a tué Goliath avec une fronde. We saw how David killed Goliath with a sling. La parole de Dieu nous avertit. The word of God warns us. Ce que tu crains, that which you fear, c'est ça qui va t'arriver. Would happen to you. Beaucoup de frères jouent avec la marche par la foi. Many brethren joke with the walk by faith. Ils parlent de Jésus. They speak about Jesus. Mais ils tremblent devant l'ennemi. But they tremble before the enemy. Ils tremblent devant la maladie. They tremble before sickness. Ils tremblent devant la mort. They tremble before death. Et la loi spirituelle dit, ce que tu crains, c'est ça qui va t'arriver. And the spiritual law says that which you fear would happen to you. En fait, la crainte, la peur, la frayeur, c'est la foi
au mal, c'est la foi au danger. C'est que tu crois avec certitude que le malheur va t'atteindre. In fact, fear, fright is faith in evil. That is, you believe firmly that evil will happen. Quand tu marches, si tu contemples la victoire, la délivrance, l'intervention de Dieu, c'est ça qui va s'accomplir. When you walk and you contemplate victory, deliverance, and God's deliverance, that is what will happen to you. Si dans ton esprit, if in your spirit, tu vois continuellement comment Dieu est en train de venir à ton secours, c'est ça qui va s'accomplir. You constantly see how God comes to your rescue, that is what will happen to you. Si tu crains les échecs, tu vas toujours échouer. If you fear failure, you will always fail. Tu peux jeûner. You can fast, mais tu as peur. But you are afraid. Tu jeûnes et tu trembles. You fast and you tremble. Tu ne peux pas remporter la victoire. You cannot have victory. Tu lis la Bible et tu trembles. You read the Bible and you tremble. Tu ne peux pas remporter la victoire. You cannot have victory. Le Seigneur dit, bannis la crainte. The Lord says, banish fear. Bannis la frayeur. Banish fright. Parce qu'il sait que tant que ces sentiments sont en toi, tu n'auras pas de succès, tu n'auras pas de victoire. Because he knows that as long as these feelings are in you, you cannot have victory, you cannot have success. Ça veut dire que quoi? What does this mean? Que tu peux être ton propre adversaire. That you can be your own enemy. Ta manière d'entretenir ta pensée. Your way of managing your thoughts. Ta manière d'entretenir ton entendement, ton intelligence. The way of managing your understanding, your intelligence. Peut te conduire constamment dans des échecs. Can constantly lead you into failure. Le Seigneur ne délivre pas les gens de la peur. The Lord does not deliver people from fear. Il nous commande. He commands us. De bannir la crainte. To banish fear. Même si tu es faible. Even if you are weak. Regarde-toi en à travers Jésus-Christ. Look at yourself through Jesus Christ. Et réalise par la foi combien tu es fort, combien tu es vainqueur. And realize by faith how you are strong, how you are a winner, a conqueror. C'est pour cette raison que Paul disait, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand Jésus est en toi, tu as la victoire en toi. That's why Paul said, Christ in us, the hope of glory. When Jesus is in you, you have victory. Devant Jésus, il n'y a pas de tout puissant, il n'y a pas de plus fort, il n'y a aucun esprit. In front of Jesus, there is no stronger person, there is no almighty, there is no spirit that can stand. Il ne faut pas douter. You shouldn't doubt. Il ne faut pas trembler. You should not tremble. Il dit, ce que je crains, ça arrive. Tu crains la mort, tu verras qu'elle va t'environner progressivement, toute ta pensée, toute ta pensée. He says, what I fear happens to me. If you fear death, you see death will surround you and your thoughts will only be about death. Normalement, normally, des phénomènes comme la dépression ne devraient pas exister dans le corps de Christ. Thoughts like depression, phenomena like depression should not take place in the body of Christ. Nos esprits doivent être remplis de ce que Jésus dit. Our spirits must be filled with what Jesus says. Ta pensée doit être remplie de ce que Jésus a promis. Your thoughts must be filled with what Jesus promised. Personne ne devrait être découragé. No one should be discouraged. Pourquoi? Why? Parce que nous avons les regards sur Jésus. Because we have our gaze on Jesus. Si tu n'as pas les regards sur Jésus, if you don't have your gaze on Jesus, tu vas trembler devant les hommes, devant les esprits, devant les phénomènes. You will tremble before men, before spirits, before phenomena. Lis pour nous Isaïe 51, versets 12 à 15. Read for us Isaiah 51, from verse 12 to verse 15. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire
Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Amen. Le Seigneur t'exhorte. Ne tremble pas devant les sorciers. The Lord exhorts you not to tremble before sorcerers. Écoutez ça très bien. Listen to this attentively. Ce que je suis en train de dire. What I'm saying. C'est le Seigneur qui te le dit. Is the Lord saying it to you? Beaucoup ont perdu les victoires parce que eux ils tremblent. Ce n'est même pas que le diable est fort, ils tremblent tous les jours. Ils tremblent. Many have lost victories because they tremble. It's not even that the devil is powerful, but they just tremble. Je n'ai pas encore ouvert le message que je devais prêcher. I've not yet opened the message that I had to preach. Je dis d'abord ce que Dieu demande de dire. I'm first of all saying what God is asking me to say. Le Seigneur ne te dit pas de douter. Il y a des gens qui disent les sorcelleries, la sorcellerie n'existe pas. Il n'y a rien. The Lord does not ask you to doubt. There are people who say witchcraft does not exist or there's nothing about it. Le Seigneur sait que les oppressions sont une réalité. The Lord knows that oppressions are reality. Écoute ce qu'il dit. Listen to what he says. Verset 15. Verse 15. Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. But I am the Lord your God who divided the sea, whose waves roared. The Lord of hosts is his name. Déjà au verset 14, il dit, bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Ça veut dire que c'est réel, les possessions, l'esclavage, ce sont des réalités spirituelles. In verse 14, first of all, he says, the captives, exiles, hasten, they may be loose. It means that captivity, witchcraft is a reality. Les gens qui sont courbés sous les fers, Dieu il les voit. People who are tied with fetters of iron, it means God sees them. Et il dit, he says, il sera délivré. He says he will be loosed. Il ne va pas mourir. He will not die. Et il dit, and he says, je suis l'Éternel ton Dieu. I'm the Lord your God. Qui soulève la mer et fait bugir ses flots. Who divided the sea whose waves roared. Et au verset 13 il dit. Verse 13, he says, verset 12, pardon. Verse 12. Il dit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. He says, I am he who comforts you. Who are you that you should be afraid of a man who will die and of the son of man who will be made like grass? Bannis la crainte. Banish fear. N'aie pas peur de faire un tour au village. Do not be afraid to pay a visit to the village. Si tu ne vas pas au village, il faut que ce soit parce que tu es occupé, tu n'as pas le temps, mais pas parce que tu trembles devant les sorciers. If you don't go to the village, it should be that you are busy. It should not be that you are afraid or you tremble because of witches. Quand tu trembles devant les sorciers, ton Dieu devient petit. When you tremble before witches and wizards, your God becomes small. Celui qui croit même en Dieu ne peut pas avoir peur des sorciers. In fact, the one who believes in God does not even fear witches and wizards. Frère, quand Dieu est là, nous revenons à notre message. Quand Dieu est là, brother, we come back to our message. When God is present, lui-même détruit l'ennemi. He himself destroys the enemy. Même si c'est avec une fronde, même si c'est avec des cruches, même si c'est avec des brindilles, il va te donner la victoire. Even if it's with a sling or another small weapon, he will give you victory. Et la révélation de cette croisade, c'est que Dieu doit être placé là où il doit être placé. And the revelation of this crusade is that God must be placed where he has to be placed. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et il doit être adoré en tant que tel. He is the Lord of Lords, the King of Kings, and he must be worshipped. Nous ne devons rien craindre. We must fear nothing. Il doit être, nous devons faire du Seigneur nos délices.
We must make of the Lord our delight. Nous devons l'aimer. We must love him. Nous devons travailler avec lui. We must work with him. Nous étions à Yamoussoukro. Yamoussoukro. Là-bas à Yamoussoukro. There in Yamoussoukro. Mon esprit s'est ouvert d'une nouvelle manière sur la notion de la rédemption. My spirit was opened in a new way to the notion of redemption. Le Seigneur m'a fait comprendre que la rédemption a pour plan principal la délivrance, la réconciliation avec Dieu, la restauration. Il n'y a pas de rédemption sans délivrance. And the Lord made me to understand that redemption has as goal deliverance, restoration. Il n'y a pas de rédemption sans réconciliation avec Dieu. And reconciliation with God. There's no deliverance without reconciliation with God. Nous étions des esclaves. We were slaves. Les esclaves du péché. Slaves to sin. Les esclaves de la maladie. Slaves to sicknesses. Les esclaves de la mort. Slaves to death. Les esclaves de la malédiction. Slaves to curses. Les esclaves du diable. And slaves to the devil. Jésus s'est donné comme rançon. And Jesus gave himself as a ransom. Et il nous a délivrés. And he delivered us. Nous devons nous constituer ses esclaves. So we must make ourselves into his slaves. Nous devons nous consacrer à lui. We must consecrate ourselves to him. Comme résultat de ce qu'il a fait pour nous. As a result of what he did for us. Il est dit, offrez-vous à Dieu comme des sacrifices vivants. It says, offer yourselves to God as living sacrifices. Quand Dieu est au centre. When God is at the center, il va frapper les adversaires. He will strike your enemies. Il va venir à ton secours même dans ton sommeil. He will come to your rescue even in your sleep. Même quand l'ennemi va te surprendre. Even when the enemy will ambush you. Il ne permettra pas que tu vois la corruption. He will not permit that you see corruption. Donc, qu'est-ce que le diable fait? What does the devil do? Il effraie. He frightens. Il fait des bruits. He makes noises. Et ce sont ces bruits qu'on appelle les oppressions. And these are the noises that we call oppressions. Il menace pour rien. He threatens for nothing. Quelqu'un m'a écrit que l'ennemi est en train de l'oppresser. Il dit tu vas mourir. Et le diable peut mentir pendant 10 ans. Chaque année tu vas mourir et tu ne meurs pas. Someone wrote to me and said the devil is only oppressing me and saying you will die. The devil can tell you for 10 years that you die and you do not die. Chaque jour je vais te tuer. S'il peut te tuer, qu'il te tue. Every day he will tell you I will kill you. If he can, let him do it. Bannis la crainte. Bannis fear. Dis amen. Say amen. C'est pour cette raison que David dit je me couche et je m'endors. That is why David said I lie down and I sleep. Ne crains rien. Fear nothing. Ne crains pas les bruits. Do not be afraid of noises. Je vais te tuer, je vais te tuer. Qui peut te tuer, qui te tue? Oh, I will kill you. If he can, he should do it. C'est pour te dire qu'il ne peut pas. It's just to tell you that he cannot do it. Si Dieu ne décide pas. If God doesn't decide. Un cheveu de ta tête ne peut pas tomber. No hair of your head. Il faut croire à ça. Believe in it. Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. Frères, brethren, quand tu as peur, when you are afraid, tu ne peux plus proclamer. You can no longer proclaim. Tu seras passif. You will be passive. Paralysé. Paralyzed. Parce que la peur paralyse. Because fear paralyzes. Parfois, ta peur peut provenir de quoi? De l'analyse personnelle. Sometimes your fear can come just from your personal analysis. Tu peux regarder la situation et tu conclus que tu n'as pas les moyens pour confronter ça. You can look at a situation and you conclude that you don't have the means to confront it. Et tu commences à trembler. And you begin to tremble. Lisons dans Juges chapitre 7. Let us read from Judges chapter 7. Verset 22. Verse 22. Commence même à 13 pour que la compréhension soit facile. Begin from verse 13 so that we can understand better. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait: j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain de
gorge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en trois corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisaient les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnaient de la trompette et brisaient les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restaient chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnaient encore de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, Beth-Serira, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Amen. Avec tes yeux, tu regardes, tu vois, nous n'avons rien. With your eyes, you look and you say, oh, we have nothing. Tu dis, nos ennemis sont nombreux. You say, our enemies are numerous. Ils vont nous écraser. They will crush us. Et tu commences à trembler. And you begin to tremble. Et tu te dis, les frères m'exhortent. I say, brethren, exhort me. Que je ne dois pas craindre. Avec ça, là, comment rester tranquille? Je dois m'inquiéter. They exhort me to say that I should not tremble, but with all of this, how would I not tremble? I need to be worried. Dis, les gens ne te comprennent pas. Ils ne sont pas à ta place. People don't understand. They are not in your place, in your shoes. Tu trembles. You tremble. Tu dis, le Seigneur m'a abandonné. The Lord has abandoned you. Nos analyses. Our analysis. Nos pauvres perceptions. Our poor perception entretiennent des états de frayeur inutiles. Bring about useless states of fright. Qu'est-ce que ça veut dire? What does this mean? Ta vie, your life, ne dépend pas des moyens terrestres. Does not depend on earthly means. Ta victoire ne dépend pas de l'argent ou des armes charnelles. Your victory does not depend on money or carnal weapons. Ici, here, ils ont sonné les trompettes. They sounded the trumpets. Et la Bible dit qu'ils sont même restés sur place. And the Bible says that they stayed on the spot. Et ils ne couraient pas en sonnant les trompettes. They did not run while blowing the trumpet. Ils sonnent la trompette et ils sont là. They blew the trumpet and stood there. Et l'ennemi, les adversaires commencent à se tuer eux-mêmes. C'est-à-dire, chacun prend son épée, il tue son frère. And their enemies began to kill each other. That is, someone takes his spear and pierces his companion. Donc Dieu avait un plan. So que les hommes ne voyaient pas. Dieu a des moyens que tu ne vois pas. God has means that you don't see. Dieu a des plans que tu ne connais pas.
God has plans that you don't know about. Tu trembles parce que tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire. You tremble because you do not know what God is able to do. Tu as peur parce que tu n'as pas la révélation de sa puissance. You tremble because you don't have the revelation of his power. Il peut te donner les fourmis. Il te dit, va en guerre. Tu vas avec les fourmis et tu bats, tu frappes les gens. He can give you ants and say, go to war. And you go to war with ants and you win the battle. Tu peux aller à pied, t'attaquer à des troupes avec des chevaux. You can go on foot and attack troops with horses. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Sheta, vers Tchéréa, jusqu'au bord d'Abel-Meola, près de Tabat. When the 300 men blew the trumpets, the Lord set every man's sword against his companion throughout the whole camp, and the army fled to Beth-Akasia towards Zerara, as far as the border of Abel-Mahola by Tabat. Tu ne vois pas le plan de Dieu. You don't see God's plan. Et tu trembles. And you tremble. Et on te dit, calme-toi, le Seigneur est à l'œuvre. Tu dis, comment peux-tu dire que le Seigneur est à l'œuvre? Lis pour nous Isaïe 37, verset 36 à 38. Read for us Isaiah 37, verse 36 to 38. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors, Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramelech et Charetzer, ses fils, le frappèrent par l'épée et s'enfuient au pays d'Arara. Et Ésa, Adon, son fils, régna à sa place. Voilà comment le Seigneur met fin à l'orgueil des Assyriens. This is how the Lord put an end to the pride of the Assyrians. Qui insultaient Israël. Who were insulting Israel. À travers leur personnage Repshake. Through their personality as Shenasuri. Les enfants d'Israël tremblaient même. The children of Israel were trembling. Mais Dieu avait son équation. But God has a question. L'ange devait venir détruire l'armée des Assyriens. The angel had to come and destroy the army of the Assyrians. Le problème c'est que comme nous ne connaissons pas ce que Dieu veut faire, nous tremblons. The problem is that since we don't know what God wants to do, we tremble. Et en tremblant, and while trembling, nous perdons la foi. We lose faith. Dieu ne peut pas honorer quelqu'un qui tremble. God cannot honor someone who trembles. Il a dit aux enfants d'Israël, si vous tremblez, je vous ferai trembler. He told the children of Israel, if you tremble, I will make you to tremble. Il disait, je vous rendrai pusillanime. He says, I will make you to tremble. Il disait, vous serez comme un signal sur une montagne. He says, you will be like a signal on the mountain. Dieu aime la foi. God loves faith. Dieu aime quelqu'un qui prend une fronde avec une pierre et dit, au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, cette pierre-ci sera comme une bombe, des tonnes de bombes. God loves the person who takes a sling and a little stone and says that this sling and this stone will be like an atomic bomb. Et il te sera fait selon ta foi. And it will be done to you according to your faith. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Quand une armée perd 185 000 hommes frappés par l'ange de Dieu lui-même. And the angel of the Lord came out and killed in the camp of the Assyrians 185,000. Et quand on se leva le matin, voici c'était tous des corps morts. And when people arose early in the morning, there were the corpses all dead. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Il resta à Ninive. And Sennacherib, king of the Assyrians, departed and went away, returned home and remained in Nineveh. Et le Seigneur n'avait pas encore fini. And the Lord was not yet done. Verset 38. Verse 38. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramelech et Shercher, ses fils, le frappèrent par l'épée.
et s'enfuir au pays d'Ararat. And now it came to pass, as he was worshipping in the house of Nisroch his god, that his sons Adrammelech and Sisera struck him with a sword, and they escaped into the land of Ararat. Josué chapitre 10 verset 1 à 11. Joshua chapter 10 from verse 1 to 11. Bien-aimés, nous ne combattons pas seuls. Il y a des armées avec nous. Beloved, we are not fighting alone. There are hosts with us. Il y a des anges puissants que Dieu peut envoyer sous l'eau, dans les airs, dans les déserts, dans les forêts, partout où il y a une résistance, partout où il y a une opposition contre nous. There are armies of angels that God can send under the waters, in the mountains, on hills, everywhere where there is an obstacle or opposition against us. Il y a même des anges qui sont spécialisés pour opérer et enlever les maladies. There are angels who are specialized to carry out oppressions and take out sicknesses. Jésus est souverain. Il peut décider de te guérir sans te toucher. Comme il peut mettre la poussière, il prend la poussière, mélange avec la salive, met dans tes yeux. Il fait ce qu'il veut. Il peut te guérir à travers un laboratoire céleste, comme il peut te guérir à travers une prière de bénédiction d'un serviteur de Dieu. Jesus is powerful. He can heal you without touching you. He can take spittle and put in dust and put in your eyes. He can heal you through oppression as well as he can just speak and you're healed. Il peut envoyer les anges détruire tes ennemis. He can send angels to destroy your enemies. Il peut te fortifier toi-même. He can strengthen you. Il peut utiliser une fronde, une pierre. He can use a sling and a stone. Les cruches, les mâchoires d'âne. He can use even the jaw bones of an ass. Donc ne tremble pas. So do not tremble. Ne jette pas les regards à gauche, à droite, et dis vraiment, je suis seul, je suis seul. Tu n'es pas seul. Do not look to the left and to the right and say, oh, I'm alone. You are not alone. Lis. Read for us, please. Josué chapitre 10, versets 1 à 11. Adonit Sédèque, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adonit Sédèque, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, et à Piram, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lachis, et à Débi, roi d'Églon, « Montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. » 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyaient dire à Josué, au camp de Gilga, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Josué monta de Gilga, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilga. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël,
et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Oh, comme ils fuyaient devant Israël. And it happened as they fled before Israel. Et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon. And they were on the descent of Beth-Horon. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah. And the Lord cast down large hailstones from heaven on them. Et ils périrent. And they died. Ceux qui moururent par des pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. There were more who died from the hailstones than the children of Israel killed with the sword. Oui, le Seigneur a tous les moyens pour combattre pour nous. Lord uses every means to fight for us. Il a tous les moyens. Il peut faire descendre les pierres du ciel. He has every means. He can bring hailstones from heaven. Pour écraser les adversaires. To come and crush. Alors que tu tremblais, croyant que tu n'as rien, tu n'as pas d'armes, tu es petit. Whereas you tremble and say you have nothing. Oh, le Seigneur a son. Il a sa formule. The Lord has his formula. Il sait ce qu'il veut faire. He knows what he wants to do. Il sait ce qu'il veut faire. He knows what he wants to do. Ceux qui furent tués par des pierres étaient plus nombreux que ceux qui étaient tués par les enfants d'Israël. Those who were killed by the hailstones were more numerous. Les ennemis, those who were killed by the children of Israel. Ils voulaient s'enfuir. The enemies wanted to run away. Et le Seigneur a libéré les pierres du ciel. The Lord released hailstones from heaven. Et tombaient sur les adversaires, les écrasaient en même temps. And he fell on the enemies and crushed them at the same time. Adorons le Seigneur Tout-Puissant. Worship the Lord. Dis-lui, tu es fort, tu es puissant. Say he is mighty and is powerful. Tu peux anéantir. To crush. Tu peux écraser. You can crush. Tu peux disperser. You can scatter. Tu es grand. You are great. Tu as les moyens. You have the means. Tu es intelligent. You are intelligent. Tu connais la guerre. Tu connais la guerre. You know warfare. Tu connais les plans de guerre. You know plans of war. Tu as une armée. You have an army. Tu as des armées. You have armies. Et tes armées sont puissantes. And your armies are mighty. Oh Éternel. Oh Lord. Tu as des armées. You have armies. Tu as des armées. You have armies. Et tes armées sont puissantes. And your armies are powerful. Et tes armes sont puissantes. And your weapons are powerful. Et tes armes sont puissantes. And your weapons are powerful. Et tes armes sont puissantes. Your weapons are powerful. Ora baga jor baga go 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 baga Les uns après les autres. One after another. Et exaltons le Seigneur. They must exalt the Lord. Frère, le Seigneur a tous les moyens. The Lord has all the means. Quand il te dit ne crains pas. When he says do not fear. Il a dit à Josué ne crains point. He told Joshua, ne crains pas. Do not fear them. Mais il n'avait pas dit à Josué ce qu'il allait faire. He did not tell Joshua what he was to do. Josué a seulement remarqué. Joshua only noticed que quand les adversaires s'enfuyaient, that when the adversaries were running away, Dieu lui-même a décidé de les poursuivre. God decided to follow up with them. Et il a lancé les pierres du ciel pour les écraser. And he threw hailstones from heaven to crush them. Les enfants d'Israël contemplaient seulement. The children of Israel only beheld. Ils n'avaient jamais vu ça. They had never seen that. Lève-toi et bénis le Seigneur et entre dans la connaissance des voies de Dieu dans ta vie. Stand up and bless the Lord and enter into the knowledge of God's ways in your life. Tu peux être malade. You could be sick. Le Seigneur te dit ne crains pas. The Lord tells you do not be afraid. Et tu tâtes la maladie, tu dis pourquoi ne pas craindre avec ça là. And you touch the sickness and say why shouldn't I be afraid with perdu. This? Tu as perdu. You have lost. Il savait pourquoi il a dit à Josué ne crains pas, ne les crains pas. He knows why he knew why he told Joshua, do not be afraid of them. Ne les crains pas. Do not be afraid of them. Après. Afterwards. Les pierres. Hailstones. Les écrasent. Crush them. Ceux qui furent tués par les pierres. Those who were killed by the hailstones. Furent plus nombreux que ceux que les enfants d'Israël avaient tués avec leur épée. Were more than those that the children of Israel killed with their swords. Oh, notre Dieu est puissant. Oh, our God is powerful. Quand il te dit ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. When he tells you do not be afraid, don't be afraid. Il faut croire à ça. Believe in it. Et tu verras. And you will see. Tu ne peux pas marcher avec lui et douter. You cannot walk in worry. Les uns après les autres. One after another. Dieu est tout puissant.
Et tu as tous les moyens pour combattre pour nous. Oh, tu as ta formule, tu as ton équation, tu as ta manière d'agir, Seigneur. Et tu agis pour assurer toujours la victoire. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es un Dieu de victoire. Tu ne joues jamais. Quand tu entres dans le combat, tu assures la victoire. La victoire est certaine. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grande puissance. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grande armée. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes grands moyens. Oh, notre Dieu, louange, honneur à toi, parce que tu nous instruis et tu nous rassures que nous ne devons rien craindre, parce qu'avec toi, la victoire est assurée. Quel que soit le niveau de combat, quel que soit le niveau de combat, quel que soit le nombre des ennemis, la victoire est assurée. Louange, honneur à toi, Seigneur, pour ces paroles. Oh Dieu, qui nous met dans le repos et qui ravive notre foi. À toi la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te magnifions comme effectivement ce Dieu grand qui peut faire tomber la grêle, qui peut faire tomber les rochers. Nous t'exaltons comme le Dieu qui peut assécher les eaux. Nous te magnifions comme le Dieu qui peut envoyer, Seigneur, des bêtes féroces contre nos ennemis pour les écraser. Oh Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre, nous n'avons rien à craindre. Merci de te restaurer, Seigneur, dans notre position d'enfant de Dieu. Seigneur, merci, parce que tu ouvres mes yeux pour me faire comprendre que je n'ai rien à craindre, que tu es avec moi dans le combat, que tu es avec moi dans le combat, que tu as tes plans, tu as tes moyens pour me délivrer. Oh Seigneur, j'accepte ta méthode, j'accepte tes plans, j'accepte tes moyens ce soir. Et je décide de faire comme David. Oh Seigneur, je décide de me coucher et de m'endormir tranquillement parce que tu es avec moi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ton nom est grand parmi tous les peuples. Qui est Seigneur avec toi parmi les dieux? Qui est Seigneur avec toi parmi les dieux? Oui, c'est toi, Seigneur, qui nous donne la victoire. Notre succès dépend de ta volonté. Qui est en toi parmi les dieux? Qui est en toi?
peuple, il y a son peuple, toi, parmi Dieu, qui est son peuple, toi, parmi Dieu. Éternel, c'est oh Lord, tu sais tout, you know all, tu vois tout, you see all, tu n'as pas besoin de renseignements. You don't need any intelligence. Tu n'as pas besoin d'information. You don't need information. Tu sais quand je me lève. Tu sais quand je me lève. Tu sais quand je me couche. You know when I rise, I know when I sleep. Tu connais mes adversaires. You know my enemies. Tu sais quand ils se lèvent. You know when they rise. Tu sais quand ils se multiplient. And you know when they multiply. Tu sais quand ils s'appellent au secours. You know when they call for help. Tu les brises. You break them. Tu les anéantis. You bring them to naught. Tu les écrases. You crush them. Et je suis vainqueur. And I am a winner. Dis Seigneur. Say Lord. Tu veux que je croie. You want that I should believe. Tu veux que je sache que tu es là. You want that I should know that you are there. Tu veux que je sache que tu possèdes toutes choses. You want that I should know that you possess all things. Dis je crois. I say I believe. Dis Seigneur, say, Lord, tu veux que je bannisse la peur. You want that I should banish fear. Que je bannisse la crainte. I should banish fright. Dis Seigneur, say, Lord, j'obéis. I obey. Je bannis la crainte. I banish fear. Je bannis la frayeur. I banish fright. Et je proclame. And I proclaim. Que mes ennemis. And my enemies. Que quiconque se liguera contre moi. Anyone who rises up against me. Tombera sous mon pouvoir. Will fall under my power. Ceux qui étaient déjà contre moi sont tombés maintenant. That those who are already against me are fallen already. Ils sont présentement sous mes pieds, sous mes pieds. They are under my feet, under my feet, under my feet. Désarmés, désarmés, désarmés. They have been disarmed, disarmed, disarmed. Désarmés, désarmés. Disarmed, disarmed, disarmed. Dis Seigneur. Say Lord. Je crois. I believe. Que tu as la solution. That you have the solution. Tu as ta formule. You have your formula. Ma victoire ne dépend pas de ce que je pense. My victory doesn't depend on what I think. Ma victoire ne dépend pas de ce que je vois. My victory does not depend on what I see. Même avec une fronde. Even with a sling. Je peux terrasser l'ennemi. I can bring down the enemy. Même avec les cruches. Even with smaller weapons. L'ennemi est terrassé. The enemy can be brought down. Même quand il essaie de s'enfuir. Even when he tries to flee. Même quand ses chevaux sont plus rapides que les nôtres. Even when their horses are more than us. Mais tu as des pierres, des pierres. You have hailstones. Pour te faire tomber sur chacun. To make them come down on each one. Pour écraser, anéantir chacun. To crush and to bring to naught. Dis, je contemple ta sagesse. Say, I behold your wisdom. Je contemple ta victoire. I behold your victory. Après avoir adoré Dieu de cette manière, prophétise sur ton ennemi. Dis-lui que toi là, c'est fini pour toi. Prions ensemble. After having praised God in this way, professor, we are enemy. Tell him that you is over with you. C'est fini pour toi. Or, je bannis. Tu es banni, tu es banni. Tu es jugé. Tu es écrasé, banni. Bondo Rosso Tomoko Sekere Batara Bastin de Kaba. Gloire d'Albassin de Kere Dilte de Kabana. Gloire d'Albassin de Kabaraka Sakara Kabana. Gloire d'Abakase de Kabaraka Sakara Kabana. Demeure dans cet esprit cette nuit. Abide in this spirit tonight. Contre tes ennemis. Prophesy against your enemies. Vous voyez, quand le Seigneur lui-même parle, you see, when the Lord himself speaks, nous devons imiter ce qu'il fait. We must imitate what he does. Il dit, bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse. Et son pain ne lui manquera pas. C'est comme ça que tu dois prophétiser. You must prophesy in that way. Toi, tu prophétises sur les and the one who had to die will not die. Et the one who has to change will be loosed. Ce que tu dis va s'accomplir. What you say will be accomplished. Tu ne crains rien. Fear nothing. Même si c'est le cancer, tu poses ta main, tu dis, toi, tu es calciné, tu es brûlé, tu es brûlé, tu es fini. Even if it's cancer, you ne put your hand there. C'est fini pour moi. Non. And say you have been burnt up. Prophétise. Don't say for me it's ended. No, prophesy. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Et ça va s'accomplir. And it will be accomplished. Amen. Amen.
Père, ramène tes enfants dans un esprit de bataille, de combat, de victoire, de repos, de calme, de tranquillité, d'assurance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.